Friday, on est sur le classe. Putain, mais lui, il dit trop de la merde, sans déconner. Et de l'amour dans l'émission, parce que le Clash, c'est dans moins d'une heure, Clash Collector pour vous. Ouais. Attention, attention, les meilleures techniques de drague avec Cédric. C'est ça, je suis là. C'est toi. Ouais, c'est moi. De retour, ça fait plaisir. Et, oui. Et Romano, toujours là, toujours fidèle au poste, Romano. Oh, j'ai envie de vous dire que je vous aime. D'ailleurs, si vous avez des méthodes pour draguer, comment vous draguez les mecs? Comment vous faites draguer les filles? Vous pouvez nous dire si vous abordez ces derniers temps, là, allez-y. Ah, bah ça m'est arrivé tout à l'heure. Tu t'es fait draguer par qui? Ah, putain, mais l'enfer. Ah, il était moche. Avant que tu viennes me chercher. Non. Ah, Marie s'est fait draguer par un moche. Je l'ai acheté du PQ, que j'ai avec moi d'ailleurs. Oui, et la classe déjà. Alors j'ai voulu l'essayer, c'est comme des chaussures. J'essaye toujours avant d'acheter. Oui. Bah, ça m'est arrivé là. Mission spéciale, mais oui, il arrive du calme, ouais. Romano. Oh putain, j'ai envie de baiser. Dans 10 minutes, on attaque le clash de la drague. Collector du clash de la drague ce soir. Voici donc le clash de la drague. Vous êtes qui, monsieur? C'est Cédric. Moi, c'est Cédric. Cédric contre toi. Bon, on va voir les méthodes que vous nous avez laissées, Cédric. Je te sens fort, séducteur et sûr de toi aujourd'hui. C'est vrai, ça. Bien dit, monsieur l'arbitre. Mais oui. Tu es bien beau ce soir. Bien beau, c'est ça. Bien beau, bien bon. Ah. C'était ta déclaration, c'était très intéressant. C'était pas une déclaration, c'était juste un petit soupir de... Bon, Romano. Un petit soupir qui me dégoûte. Ouais. Non, tu me dégoûtes pas, juste pour dire que je suis content. Je t'assure que si. Je suis content d'être parmi vous, quoi. Ouais, bah, nous aussi. Ça te fait plaisir. Je suis content, mais si tu pouvais arrêter de gémir comme une chienne. Je fais ce que je veux. En chaleur. Espèce de rageux. Bon, bah, ma méthode de soir, en fait, je suis masseur kinésithérapeute. Ta gueule. Kinéthérapeute. Voilà. Et en fait, moi, je masseur kinéthérapeute. Ouais. Voilà. Et moi, je vais remixer. Je vais être masseur kinéthérateube. Je pense que effectivement, je crois que je vais prendre ma retraite plutôt que prévu. Bah non, mais je vais aller voir les familles, puis je vais me réausculter leur tub. Alors vu qu'on est dans l'humour, moi je vais faire la méthode de Callaghan. Ah, dans l'humour, c'est ça. Moi c'est la méthode de Wiz Khalifa d'ailleurs. Je te remercie, ma gueule. Tu es ma sœur quoi? Bah kinéthérapeute. Ah, kinéthérapeute. Kinéthérateube. Faut pas que je me trompe, putain. Voilà, c'est pas facile. Bah faut pas que je me plante, putain. Voilà. Quel vrai mot qui t'est envoyé par, je sais pas, 50 auditeurs, là, ça défile. Ouais, kinéthérapeute. Voilà, le vrai mot, c'est... Non, plus, non. Ben, ma sœur, kinéthérapeute. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, alors, Romano... Kinéthérateube, tu fais quoi, en fait? Non, moi, je fais kinéthérateube. Oh, là, c'est fait. Voilà, très bien. Liberté à nos clasheurs. Alors, moi, je vais faire la méthode de Callaghan. J'ai mangé des lasagnes au cheval et depuis, j'ai une queue de cheval. Ah oui, c'est la soirée de l'humour. Ah, bah, l'humour, humour avant tout. Bon, si vous arrivez à draguer avec ça, moi je vous paye. Karim vous paye une canette. Ah ouais, vas-y, tu payes ta canette. Karim vous paye une canette. Ah, il y a des témoins là. Hein. Allez, c'est parti, c'est Cédric. Ça tombe bien, j'ai soif. Premier coup de fil. Allô, bah, chez qui? C'est parti. Pascal. Ah, tu as des encouragements. Ben 59, elle est super ta méthode, dis donc, Cédric. Merci, ma gueule. Le belge va apprendre à parler, ma gueule. Non, je l'ai bien dit, attends. Kemal. Kinésithérapeute. Oui. Bah, c'est ça. Allô. Bonsoir, ouais. Pascal, comment vas-tu? Bah, qui c'est? Bah, je me présente, je m'appelle Michel et je suis nouveau médecin dans le quartier là. Je suis masseur kinéthérateube. Je m'occupe en fait des tubes des mecs en fait, des sexes. Et ce soir, je voulais venir chez toi histoire de m'occuper de la tienne. Ouais. Je peux venir dans 5 minutes ou pas? Ouais, sûrement, ouais. Bah, là, j'ai 10 minutes devant moi, tranquille, je peux venir te voir ce soir si tu veux. Non, il y a pas de danger. Ça te ferait plaisir? Voilà. Allô? C'est marrant, je le sentais moi ça. Ah putain, Pascal. Ah mais putain. Et voilà, bah, désolé. Raccroche, ça va. Bon, je peux raccrocher? Ouais. Bon. Alors, je crois qu'on va nous reprendre le sourire. Non, mais bon, il allait dire retour à la normale. Non, mais là, pour une fois que tu loses au premier tour, ça fait putain. Plaisir quand même de te retrouver. Franchement, je veux pas te souhaiter de mal, mais. Alors, Romano, à toi. Non, mais d'un coup, tu vois, ça quand même, ça fait du bien, quoi. Alors, après, le masseur de Cédric, voici maintenant la méthode du cheval. C'est Ludovic qu'on appelle. Allez, Ludo. Allez, bonne chance, Romano. Et après, c'est vous qui votez. T'as une queue de cheval, c'est ça? Oui, à cause des lasagnes. Bien sûr. Au cheval. Oui. Ludo. Allô, ouais. Ludo? Ouais. Ouais, comment vas-tu? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, là, un copain de ta femme. Elle est dans le coin ce soir ou pas? Bon, va niquer ta mère, fils de pute. Je peux peut-être... Quand tu m'auras fait chier. Oui. Après que j'aurai fait ma journée, tu viendras plus m'emmerder, bâtard. Bah, écoute, je peux venir si tu veux. Bon, on a eu droit à un fils de pute et un bâtard, c'est pas mal. Ça, ouais, c'est pas comme tout. Ça mérite un bip bip, mais bon. Ouais, mais un bip bip, mais bip, bon, bip. Pas de serrage. Bon, on va dire que c'était un tour de chauffe. Vous êtes chauffé maintenant? Allez, bon, ouais. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, le masseur kiné. Kinésithérapeute. Voilà. Ah, ça y est, t'as presque arrivé au vrai mot. Non, mais c'est bon.
C'est bon, c'est parti. Mon nom remixé. Et c'est que les familles, elles comprennent rien à top. Ouais, vas-y. Allô. Comment? Jean-Louis. Allô. Salut Jean-Louis, comment vas-tu? C'est qui? Bah, je me présente, je m'appelle Michel, tu vas bien? T'appelles Michel? Ouais, je m'appelle Michel, je suis ma sœur de sexe d'homme. Et je t'appelais ce soir là parce que je voulais m'occuper un peu de ton sexe. C'est tombé la blague. Je peux venir là dans 5 minutes chez toi histoire de m'occuper un petit peu de ton sexe? T'as rien d'autre à nous raconter comme connerie? Bah non, j'ai envie de m'occuper de toi. J'ai envie de faire du sexe ce soir, j'ai envie de faire l'amour. Alors bah, va te faire foutre ailleurs. Bah justement, j'aimerais bien que tu me la foutes. Allez Jean-Louis. Ah putain, un rappel. Voilà. Putain, j'hésite à prendre un rappel. Tu prends un rappel? Moi j'ai hésité sur l'autre d'avant là, mais il était un peu trop énervé, je crois. Rappel, par appel. Non. Par appel. Bon, bah, deuxième coup de fil à Romano, t'avais rien à perdre, hein? Ah oui, j'allais flinguer un rappel. Oui, mais bon, de toute façon, après, c'est fini, hein. Ah ouais? C'est qui, là? Non, vous avez fait votre tour de chauffe, mais je prends un rappel. Daniel. C'est Romano, Daniel. Allez, Daniel. Romano et la grippe, pas la grippe, le truc du poulet, là. Du cheval. Oui, du cheval. Daniel. Oui, allô? Ah, bonsoir, ça, c'est la femme à Daniel. Oui. Oui, bonsoir, il est dans le coin ou pas, le Dany? Le Dany. Bah Daniel quoi. Oui pourquoi? Ah bah c'était pour lui parler. T'es parlé de quoi? Ah bah lui parler plein de choses. Il parlait de toi. Allô. Quoi pas avec moi, ça veut dire quoi? Non mais pas avec toi, si je veux bien parler avec toi mais je préférerais parler... Oui ta gueule toi. Attends, excuse-moi j'étais en train de régler ça avec un ami là. Est-ce que je pourrais parler à Daniel? Oui, à lui j'ai des choses... C'est une surprise pour toi ma chérie. Oui, c'est pour moi, ma chérie. Oui, d'accord. Alors, vas-y, je t'écoute, mais voilà. Ah, Daniel est en train de japper derrière, c'est normal? Allô? Oui. Oui, donc, parce qu'en fait, voilà, j'ai un petit souci. J'ai mangé des lasagnes, et depuis, j'ai une bite de cheval. Très bien. Oui, donc, je voulais venir me soulager avec vous, quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, donc, je peux passer à la baraque? Bien sûr. Mais Daniel, il va continuer à japper ou à un moment donné, il reprend forme humaine? Bah, écoute... Daniel, t'inquiète pas. Il est au taquet, Daniel, la soir. Non. Sérieux, moi. Écoute, tu lui dis que dans... Tu lui dis que dans 5 minutes, je suis là, hein. Ouais, bah, alors, ouais, vas-y, y'a pas de soucis. Bah, j'arrive vite. Je vais venir te voir. Je viens te voir, nom de Dieu. Bon, Daniel, arrête de japper, j'arrive dans 5 minutes, je m'occupe de ta femme. Eh, enculé. Ah, non, moi, c'est Jean-Louis, moi. C'est qui, toi? C'est qui, fils de pute? Moi, je suis Jean-Louis. De toute façon, j'arrive dans 5 minutes, c'est réglé. Ouais, et bah, tu peux venir. Ah, bah, j'espère bien. Bah, écoute, j'espère bien que tu vas m'occuper. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Ah, bah, je vais m'occuper de ta femme, hein. C'est vraiment que tu te merdes. Eh bah, écoute, on va voir ça ensemble. Ouais, et bah, tu vas quand tu veux, ok? Je suis là dans 5 minutes. Ouais. Eh ben, tu vas quand tu veux. Eh ben, à tout de suite et je m'occuperai de toi aussi. Viens me voir. Eh ben, j'arrive et je crois que je vais m'occuper de ton cas, mon gaillard. Salut, alors bon, bah, tout de suite. On va vraiment présenter, excuse-moi, il s'est énervé pour rien. Non, mais c'est pas grave, j'arrive dans 5 minutes, on va prendre le verre de l'amitié. D'accord. Continue, derrière. C'est une merde. J'arrive. Non, moi c'est Jean-Louis, je te dis. A tout de suite. Allez, vous excusez, madame. Pas de couilles. J'arrive. Mais j'arrive, mon amour. Voilà. J'ai vu le mec qui était à bloc, toi. Ah, lui, il était bon, lui. Viens boire. Eh ben, on va passer au vote maintenant, les votes du clash. On fait pas un autre tour. Alors, Cédric, quelque chose à dire? Ah, bon courage, le mec. Ah, putain, ça, je vais être de la baise. Pas sûr, pas sûr, on sait jamais. Hein. Oh, tu sais. Romano est capable de perdre un clash encore. Il en perd. Un plus, hein, ça te ferait pas de mal. Bon, pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. J'ai besoin de vous tous et vous toutes ce soir. Romano dans une période un peu de loose et j'aimerais bien confirmer ça. Je compte sur vos votes à vous tous et à vous toutes. Cédric, c'est EDRIC. Bah, la loose a peut-être changé de côté ce soir, mon Je pote. Vous aime très très fort. Bon, Romano. Regardez-le, comment ça se l'a raconté là. Moi, sur le deuxième coup, Non, bah attends, laisse-moi apprécier. Tu vas pleurer. J'attendais de serrer une famille. Ils étaient super. Tous les deux. Bon, alors là, j'ai eu la famille, j'ai eu Daniel et sa femme. Ouais. Sa femme, bon, très sympa, elle m'a dit que je pouvais venir à la maison. Je suis invité également par le mari. Parce que Daniel était très énervé. Elle s'excuse en fait. Et bon, Daniel était en mode jappement au début, mais après, bon, il s'est détendu comme vous l'avez pu l'entendre. Oui. Plutôt, ouais. Eh bien, pour tout ça, votez Romano. Romano. What the fuck? Ah, je vais découvrir les résultats du clash que je vais vous donner dans un nom de Dieu.
que je vous donne dans un instant. Restez bien dans le coin. Ça veut dire quoi, c'est au nom de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reste là, bouge pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment rester là et ne pas bouger. Je vous les donne tout de suite. Le temps de vous donner les résultats du clash de la drague de ce soir. Alors, c'est l'heure. Le clash de la drague collector de ce soir avec des résultats qui m'ont un peu surpris. Tout à l'heure, tu as dit oh putain, nom de Dieu. Et oui, car. Ah, c'est pas l'autre con qui gagne quand même. Ça serait pas mal ça. Ça me dégoûterait bien ça. Ah, vous êtes stressé quand je prends des clash collector comme ça. Ouais, ça me fait chier, ouais. Eh bien, Cédric, t'aimerais faire combien? 55, 56. Ça suffirait. Ouais, 60, allez, vas-y. T'aimerais faire 50. Romano, combien t'aimerais faire? Bah, vu que t'as dit au nom de Dieu, je vais miser sur un plus de 70. Pour Cédric? Non, pour moi. Pour moi. Pour toi. Eh bien, il y a en effet un plus de 70. Ah. Mais pour qui? Non, c'est pas possible. Putain, je la sens mal là. Romano. Bah si tu vas la sentir passer. Je te dirais que tu fais 15%. Comment tu réagirais? Ah putain, je serais dégoûté. Et puis si tu me dirais que ce n'est pas possible, je crierais au scandale. Au scandale, ouais. Et à la magouille. Et bah tu fais 15%. Bah Cédric. C'est pas hein? 15% Cédric. Quoi 15%? Bah c'est 15%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah ouais, c'est ça, pas beaucoup. Ça peut se compter. Sérieux, là. Romano 85. Voilà, victoire. Et Romano. Et là j'ai envie de dire salut les filles. Salut les filles. Qu'est-ce qui t'arrive là? Coucou les boys and girls. Oh, merci. Ils étaient tous réveillés. En tout cas merci à toute la team Romano. Quelle belle branlée on lui a mise. Et le clash le prochain c'est mercredi. Collector du clash. Ouais. Allez mercredi soir, ne loupez pas le rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah oui, on va se...